avec des enfants? Oui, ça commence bien. Rania vient de tout vomir. Et on va nettoyer ça. Oh. Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est à l'aéroport et à peine arrivée, ben, Rania, elle se sentait déjà un peu mal. Si vous me suivez sur Snapchat, oui, Mariam aussi se sent un petit peu mal. Puisque quand Rania se sent mal, Mariam, elle se sent mal. Bref, donc je vous disais, à peine arrivée ici, elle a vomi. Elle a vomi, vomi, vomi. Donc du coup, est-ce que t'as vomi? Moi, je t'ai pas vu vomir. Ok, donc c'est ça les jumelles. Ok, Mariam. Et donc, du coup, ben, heureusement, il y a un médecin ici. Donc, Ahmed il est parti avec elle pour voir un peu ce qu'il en est. Et voilà. C'est ça de voyager avec les enfants, c'est imprévisible. Enfin, c'est imprévisible aussi pour nous, mais c'est encore pire avec les enfants. Non, Mariam, tu restes à côté de moi. Donc, je peux pas laisser les bagages puisque Ahmed il est pas là. Il est avec Rania chez le docteur. Bien pratique parce que j'ai mis la poussette à sa hauteur et elle peut m'aider. Oui, mais Mariam, s'il te plaît, on va aux toilettes. On va aux toilettes. Ouais, donc voilà. Ah là 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 là. Allez, Mariam. Ouh là là, Mariam. On a une petite madame. Non, c'est pas ici, le toilette il est où? Là-bas. Là-bas, toilette. Yeah, enfin, il est là. Voilà, Rania elle est revenue. Donc ça va, finalement, ça va. Donc on a des médicaments. Donc il a des médicaments pour la fièvre et pour les nausées. Donc il a checké, apparemment, ben, rien de grave. Donc Rania, ça va ma chérie? Oui, ça va mieux? Et toi, Mariam, est-ce que ça va? Oui, ok. Je viens de lui donner le sein. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a, Mariam? Il arrive, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Ok, let's go. On va faire caca. Donc, c'est reparti pour caca. Ah là 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 là, hein, ça s'arrête pas avec vous, les filles. Eh, ça te fait rire, en plus. Heureusement qu'on est près des toilettes. Une petite astuce. Vous voyez, il y a plein de petites bornes comme ça pour recharger. Il y a de l'eau potable dedans. Mariam, c'est par ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours des gourdes vides. Je prends une ou deux gourdes vides. Comme ça, une fois que je passe la sécurité, vas-y ma chérie, une fois que je passe la sécurité, bah, du coup, je peux remplir la gourde et ça me permet d'avoir de l'eau. Voilà. Vous voyez, souvent dans les aéroports, vous avez des espaces pour les enfants. Donc, nous, en général, on regarde toujours dans le terminal s'il y a ces aires de repos, parce que, enfin, ces aires de repos, c'est pas une aire de repos, mais ces aires de jeu plutôt, parce que c'est vrai que c'est super pratique pour occuper un peu les enfants, parce que bah, des fois, c'est long hein, pour eux d'attendre. Déjà, c'est long pour nous, alors pour eux. Allez, Mariam. Allô. Ok, bah, je vais le mettre dans le porte-bébé. Il vient de manger, mais j'ai l'impression qu'il va encore remanger. Oui, mon chéri, allez, viens. Oui, 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 j'ai pris la poussette avec moi. J'ai hésité à la prendre, mais finalement, je préfère l'avoir avec moi. Même si c'est un peu encombrant. Bon, Ahmed, il est parti avec les filles au 7-Eleven. Pour acheter des petits trucs à manger parce que tout simplement, on n'a pas pris le repas. Pour du riz, c'était genre entre 10 et 15 dollars pour un petit plateau de riz. Donc, on va acheter ça ici. Surtout qu'on n'a pas beaucoup d'heures de vol. Enfin, on n'a pas beaucoup d'heures de vol. Si, quand même. Quand même. Les filles, vous devez... Oui, vous devez deviner où est-ce qu'on va. Vous laissez ça en commentaire. Je vous donne un petit indice. Donc nous serons à environ 4h, 4h30 de Singapour. En avion, bien sûr. Donc voilà. Laissez vos commentaires, les filles elles ne savent pas où est-ce qu'on s'en va, c'est une surprise. On va leur demander si elles savent. On va leur demander. Allez, venez. Ok les filles, où est-ce qu'on va? Malaisie. Malaisie? Non. Malaisie. Non, c'est pas Malaisie. Autre chose. Devinez. Un autre pays. Japon, non. Rania. Ikea. Ikea? Ikea, c'est un magasin. Après, allez les filles. Rania. Thaïlande. Non, pas la Thaïlande. Japon. Non, Japon, on a déjà dit non. Singapour. Non, on est à Singapour. On va pas prendre l'avion pour aller à Singapour. Ah voilà, c'est ça, on va chez Caca, destination Caca. Ok les filles, vous verrez quand on arrivera, ok? On verra, surprise. C'est une surprise aussi. Si on dit... Si... Ok, je vais vous le dire mais je vais éteindre. Alors les filles, si vous avez deviné, vous mettez ça en commentaire. Et on se retrouve dans le prochain vlog, durant lequel vous allez découvrir la prochaine destination. Oui, je vais vous le dire tout de suite. Bye bye.